Il est 21h, t'es tout seul chez toi, tu sors ton ordi. T'ouvres une fenêtre privée, tu tapes quelques mots magiques et là, c'est le festin. Tu profites un maximum et tout d'un coup, bam, t'as de l'endorphine, de la dopamine, de l'ocytocine, un shot d'hormones dans le sang et ça te fait planer. En vrai, ça c'est le scénario idéal parce que ça peut très vite déraper et adieu la dopamine. On va pas se mentir, t'as pas envie de vivre ça, non? Mais alors, qu'est-ce qui rend le porno si bon même quand c'est super tabou? En vrai, qu'on l'admette ou pas, tout le monde a déjà consommé du porno. Certains vont être gênés, d'autres y sont abonnés, comme toi à cette chaîne. Et même si ça reste un peu tabou, aujourd'hui, le cerveau, lui, il vit cette expérience comme lorsque tu manges un bon burger. Si, crois-moi, en fait, le visionnage du porno stimule une zone du cerveau, le striatum, impliqué dans le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est quoi? C'est cette sensation merveilleuse que tu ressens quand tu achètes le dernier iPhone ou quand tu manges ton plat préféré, un peu comme Kate Upton. Ce qu'il se passe, c'est que la stimulation visuelle entraîne la libération dans le sang de dopamine, l'hormone du plaisir. À ce moment, t'es focus sur la performance et rien d'autre. Puis, t'arrives à l'apogée de la vidéo et paf, tu reçois un shot d'hormone de plaisir. Le problème qu'il peut y avoir, c'est que après le cerveau il va vouloir ressolliciter le circuit de récompense. Donc tu vas aller voir de plus en plus de porno et c'est comme ça qu'Otis finit par faire le sexologue dans les toilettes du lycée. Si les études scientifiques restent encore peu nombreuses sur les effets du porno, c'est parce que c'est toujours un peu tabou. C'est pour ça que tu vérifies 10 fois qu'il y a personne chez toi et que le navigateur privé tu connais bien. Fais pas genre. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Mais du coup, les études, elles donnent des résultats controversés. Certaines études ont montré qu'il y avait peut-être un lien entre la banalisation de la violence dans les rapports et le porno. Le truc, c'est que récemment, des nouvelles recherches parlent d'un effet libérateur du porno qui ferait baisser le nombre d'agressions sexuelles parce que les fantasmes seraient vécus en virtuel. Après, ce que les chercheurs disent dans ces nouvelles études, c'est que avec le porno, comme tout ce qui sollicite le circuit de la récompense, faut faire gaffe à pas créer une addiction. Puis, on va pas se mentir, voir une pizza à la télé, c'est bien, la manger en vrai, c'est mieux. En bref, si les études se contredisent encore sur les effets du porno sur notre comportement, elles s'accordent pour dire que ça stimule particulièrement le circuit de la récompense, comme manger un gâteau au chocolat ou regarder cette vidéo. Si, c'est scientifique. Le plus important, c'est la modération et de bien se rappeler que tout ça, c'est pas la vraie vie, c'est comme au cinéma, alors dehors, on se protège, on parle consentement et après on s'amuse comme des fous. D'ailleurs, le mois dernier, la marque de préservatif Eden Gun a lancé le challenge de Sextember, c'est-à-dire un mois sans regarder du porno. Le but, c'est pas de diaboliser cette pratique, mais plutôt de découvrir une sexualité sans clichés et plus libre. Je te mets le lien de leur site en barre d'infos où ils expliquent le plaisir, la prévention, tout ça. À la prochaine.